C'est plutôt pas mauvais ça. Vert. Poligala. Paniculata. Maniculata. Paniculata. Ah, paniculata. Incroyable. Ah, il y a trompette. En plus, c'est grand. Bien pour les bras. C'est encore fumé parce que c'est trop frais. Est-ce que 3 jours de voyage valent le coup pour voir du patchouli? Alors je dis pour moi, oui. Je n'avais jamais vu du patchouli comme ça, c'est-à-dire ici en Indonésie. Donc c'est très important, c'est toujours très important de voir le produit dans son environnement, quoi. À la fois la méthode et puis la matière elle-même, quoi. C'est quand même très... assez émouvant de voir ça, je trouve. Parce que finalement, le parfum, ça part de là, quoi. I think that the average perfume consumer thinks that someone walks into a room, mixes together some things that smell good, boom, you've got a perfume. It's quite the contrary. Making a lasting fragrance is like composing a symphony. It takes a lot of thought and distillation to hone in on the thousands of raw materials that are available. You have to come up with a concept. Sometimes it's very clear, sometimes it's very abstract. But the palette is as vast as human imagination, right? Vous me permettez de dire que c'est la cartographie de votre cerveau, ce bureau? Pas du tout. Un peu bordélique, oui. Oui. Sauf que je sais à peu près où sont tous les essais des projets, quoi. Parfum, c'est, pour moi, c'est un territoire de partage, quoi. C'est spécial. Ça sent très bon. Merci. Why is it that certain fragrances that have been around for 100 years still resonate to this day? All ages, all times. And you drove me to the ocean.
Ah, pour moi, un parfumeur, c'est un artisan. C'est-à-dire que ça nécessite de la création, de l'intuition, mais aussi beaucoup de technique. Donc c'est une sorte de, d'équilibre instable entre ces deux approches. Anticipating a magical bend in the ropes, hang on, take it slow. It's easy to make a nice smell, but is it very difficult to make smells accurate? It's very difficult to make smells that are metaphorically rich. It's very difficult to do that consistently, and it's extremely difficult to do it at exactly the right time and exactly the right place for the right market. Those combination of factors make the best perfumers. Là, vous travaillez sur quoi? Du rhum. Comment concilier deux têtes et une note de fond? Donc les notes de tête, ça va être les notes les plus futiles, finalement, qui vont rester quelques secondes, quelques minutes sur la volatilité. Ensuite, donc, on a les notes de cœur, ce cœur généreux qui va rester quelques heures et qui va être chaleureux. Et donc les notes de fond qui seront plus en soirée, qui vont durer plus longtemps, très ce qu'on appelle long lasting, et qu'on retiendra finalement. Et suivant que vous êtes sur une autre toilette ou une autre parfum, vous arrivez plus ou moins vite vers ces notes de fond qui vous attirent vers le fond. Et tout ça fait un équilibre comme une symphonie. Et en note de fond, c'est quoi? L'élémie. Élémie, c'est voisin de l'ensemble. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de les rapprocher. Je sais pas, je sais pas trop. L'idée, c'est d'avoir ça. When you're trying to really decode the quintessential meaning of a smell, music and musical language presents a really great parallel and a compelling case that small changes in a formula make a really big difference to how consumers perceive, relate, and internalize a fragrance. The first is with the concept of notes. So in music, notes will refer to the base building blocks, like the nuclei that you use to build larger statements and ideas. And in perfumery, it's exactly the same. Rose might count as a note, even though there are many different chemicals in it, but many people would consider that to be a base idea that would spring you off into different directions. Let's take a C major chord as an example. It's one of the most common and universal sounds across the whole of music history. In many ways, you could find a relationship with something like a cologne that many people will know from a perfumery tradition. A cologne consists of citrus notes, flowers, herbs, and woods in different proportions. What's interesting in the relationship between how they're balanced is that if you change the proportionality just by a degree, it can shift radically the way people relate to the fragrance, the way it's colored. If you express its DNA in a different way, it will have a totally different emotion and feeling for the intended audience. Again, the mood completely shifts. In this case, it's C major 7. Just like with fragrance, you can employ a method of association to try and understand your relationship with it. Some people might know it from jazz. Other people might know that chord from late Romanticism. Film.
soit utile. C'est une note qu'on ne travaille plus, enfin qui était un peu délaissée, oubliée. Et moi, que vous travaillez aujourd'hui? Ouais, moi j'adore ça, mais... Ça sent super bon. Et l'avantage, c'est que ça reste longtemps. Et le premier parfum que vous l'avez créé pour quelqu'un ou en soi? Alors, vous savez, quand vous commencez, c'est un apprentissage, donc... enfin, à l'époque, c'était réellement un apprentissage. Donc, vous travaillez avec d'autres parfumeurs. Bien sûr. Qui vous font faire, en fait, ce qu'ils veulent pas faire, quoi. Et la première chose, c'était... que j'ai faite, c'était un parfum pour... donner de l'appétit aux bovins. Ah oui? Dans les fourrages. C'est dingue. Ah ouais. Et puis après, le premier parfum réellement, c'était Diva d'Ingaro, et c'était un parfum que j'avais fait pour ma femme. Pour votre femme? Oui. Donc c'est très, très lié au désir et à la toujours. Féminité. Le parfum, c'est de l'émotion. Donc ça part de l'émotion et ça va jusqu'à la séduction, enfin, etc. Bien donc le désir est forcément l'élément, le fil rouge. Le fil conducteur de tous vos parfums. Ah oui. Il imagine souvent des parfums en fonction des gens qu'il rencontre. Alors, c'est pas un secret de savoir que les femmes inspirent énormément. Et les brunes, les blondes, c'est différent en termes de parfums et de parfumerie. Mais c'est de trouver ce que les gens peuvent aimer. Donc c'est son challenge. Quand il voit quelqu'un, de se dire, tiens, qu'est-ce qui lui irait bien? Qu'est-ce que je ferais pour lui ou pour elle? Donc c'est le sujet d'abord et l'inspiration ensuite. Les lags. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Fragrance is—it's a fantasy. It's about desire and an abstract concept. Of course, it has to smell good, but you can't really quantify what makes a great fragrance, really. Ouais, on passe par là. Ouais, ouais, par là. Par là? Par là, par là, on passe par là, non? Non, c'est mieux par là? Non. Ouais, d'accord. Attends, je prends ma veste. Ça y est, ça commence. Tu as vu que j'ai fait planter? Ouais, ouais, ouais. Que j'ai enlevé les conifères? Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est mieux, ça. Parce que le jardinier ne voulait pas. Pourquoi? Ah, je sais pas. Non, vous me mettez des osmentus, et en plus ça sera très agréable. Quand on va passer, ça va sentir. Quand on va sortir, pareil. Mais nous sommes unis, François et moi, pour une chose bien précise, c'est que on se doit de créer les meilleurs parfums pour nos deux maisons. Donc, il y a des choses qui se partagent. C'est la passion, la connaissance des matières premières, notre éducation olfactive aussi, parce que nous sommes grâce à tous les deux. C'est bon? Yeah. Ah ouais, ça y est. Ouais, elles sont belles, hein? Ici, à Grasse, depuis 4 siècles, des gens font des extraits de matières premières naturelles. Et puis ensuite, ils ont commencé à les mélanger, ils ont fait des parfums qui étaient basés sur des matières premières qu'ils allaient chercher, qu'ils importaient, qui transitaient par Venise, comme l'ambre gris. Donc Grasse, c'est... une petite ville de 55 000 habitants, 60 000 habitants, qui rassemble le plus de savoir au monde sur la connaissance des produits naturels pour les parfums et des arts et techniques de création du parfum. His grasshouse heritage, I really think that influences why he's choosing those materials.
He knows what it's like to smell it during the rain or in the wind or during the summer. But I only knew rose from fragrances. And I think that can have its advantages in how you can conceptualize new smells, whereas Francois' strength is really on how to recreate those smells from nature. Quand tu es né à Grasse, que tu as vécu à Grasse, que tu as été éduqué dans une famille où le sens de l'odorat est aussi important que celui de la vue ou de l'ouïe, t'as pas le même bagage que les autres. T'es pas tricoté pareil. Le fait d'avoir grandi ici, il y a bien sûr un côté un peu nostalgique. Bon, bien sûr, je me rappelle passer ici parce que le tôt le matin, parce que il y avait à l'époque des boîtes de nuit qui étaient vers Valbonne là-bas, et la route pour rentrer sur Grasse, ça passait par là. Et comme c'était évidemment pendant les vacances scolaires, en plein mois d'août, donc il y avait le jasmin, quoi. Donc les odeurs de jasmin ici et puis juste à côté, là, c'est des souvenirs qui sont marqués. Préférée justement parce qu'elle a un côté un peu mystérieux en même temps, et pas magique. Ça, c'est de l'ambre gris. Alors celui-là, il est noir parce qu'il est relativement récent. Celui-là, ça a 20 ans à peu près, quoi. Celui-ci, il est un peu plus gris, donc il est plus ancien, d'où le nom d'ambre gris. Et celui-là est blanc. Donc ça fait partie des notes les plus recherchées entre ces trois-là. Le prix n'est pas le même, d'ailleurs. Moi, pour la parfumerie, je préfère le gris, voire le noir. Le noir est un peu plus animal. Et c'est quoi, exactement? Alors, c'est une sorte de concrétion, je vais dire, qui provient du cachalot. Et parce que le cachalot est friand de sèche. Et dans les sèches, il y a non seulement un os, mais il y a aussi un petit bec, très très pointu, très acéré, et ça lui ulcère l'estomac au bout d'un moment. Donc il sécrète une substance qui enrobe tous ses becs, et il la rejette comme ça. Donc c'est une substance qui est plus légère que l'eau, donc elle flotte, et sous l'action du soleil, de l'air et de la mer, petit à petit elle se transforme. Personal tasting, you know. Smells a bit strong, but yeah. Still I get the nice. Used in the most high-end perfumes. Some people call it a stink, other people call it musk, or just quite a profound animalic smell. Some people say it adds a third dimension on, so that a normal fragrance is 2D and this is 3D. And we, of course, we promote it, we say it's 4D, you know, it's kind of in your face, and it really is in your face at this end anyway. Even similar to a wet dog, you know? Yeah, like that would be similar to this wet dog. Yeah, similar. She's a great dog, though. Oh, what a dog. What a dog. To find ambergris, we use dogs. Obviously, all of us have found it by eye as well. And I had to find it by eye originally so I could train a dog. Pieces here of this is 120 grams. But this is extremely rare, very, very rare. Lots of them had never seen ambergris. They'd all heard about it. They had never seen it. They thought it should be disgusting or whatever, and they smelled this type of material, and they couldn't believe how sweetly beautiful it was. Is the best natural fixative, as I started earlier on. It's oleophilic. It loves oils. It grabs the oils, and it keeps them on the skin.
but it also does another thing, which is a little bit magical, is it transforms other fragrances. Mais composer un parfum intellectuellement sans même avoir de produit à disposition. Alors, un parfum complet, oui, à peu près. De même que quand on lit une formule, donc la recette, on arrive à voir à peu près ce que ça va sentir. Le problème, c'est justement cet à peu près, c'est-à-dire que entre l'idée du parfum que l'on a, la formule que l'on écrit ou la formule que l'on lit pour faire un parfum, Il y a une différence, et cette différence, on la perçoit lorsque l'on fait réaliser les essais. C'est bien la raison pour laquelle on fait réaliser les essais. Voilà une formule, en gros une recette, et il doit y avoir un maximum d'informations sur chaque ligne, c'est-à-dire chaque élément de cette formule. Le nombre de matières dans un parfum, c'est très variable, ça dépend du parfum, ça dépend du parfumeur, tout ça. Mais en gros, je dirais d'une quinzaine de produits à, en tout cas pour moi, d'une quinzaine de produits à une cinquantaine. Je crois que le seul truc qui soit commun à tous, même les jeunes que j'ai vus dans des écoles, brésiliens, japonais, chinois, c'est la passion d'enregistrer des odeurs. C'est d'être suffisamment passionné par l'idée d'enregistrer des odeurs pour se taper la tannée que représente l'éducation de parfumeur. Parce qu'à mon avis, la seule chose qui peut être comparable en termes de difficulté d'apprentissage, ce serait peut-être la ballerine. C'est-à-dire que tous les jours, tu rafraîchis ta mémoire, tu remémorises les odeurs, tu remémorises les combinaisons d'odeurs. Et là encore, ça ne suffit pas à t'assurer que ce que tu vas produire, c'est-à-dire ce que tu vas écrire, va être exactement ce que tu avais imaginé. Comme la fille qui monte sur ses pointes, je sais pas, 425 fois dans la matinée, et la 426e, eh ben elle l'a pas mise comme il fallait dans sa pirouette, elle l'a foi. Le pire chez nous, c'est de croire savoir, hein. Donc il faut vraiment se remettre au niveau, quoi. C'est se remettre la ligne de base, quoi. Donc je fais mes gammes, oui, tous les jours. Ça, c'est un côté musc. On peut dire que ce sont des muscles. Bon, évidemment, le mucétone est pas à 10%, il est à 1. Il est pas soluble. Et le vulcanolide est à 1 aussi. Oh, t'as vu la puissance? La galaxie est étonnée par son départ. Donc. La vitolide, elle a ce côté poire. La vulcanolide, c'est quand même. C'est exceptionnel. Ça sent le sous-bois. C'est un côté terreux, ouais. Le sous-bois au-dessus de Grasse, au mois d'octobre, quand il y a des champignons. Ouais. Voilà, avec François, c'est la rencontre de ma vie humainement parlant. J'ai eu la chance de pouvoir faire une conférence en 2006 à un congrès qui s'appelait le World Perfumery Congress. À Cannes, cette année-là, il était organisé. Et à la fin de la conférence, un monsieur est venu me voir. On a bu un café ensemble et puis il m'a dit humblement, « En fait, je crée des parfums et j'aimerais trouver des matières premières exceptionnelles. Je veux remettre des matières exceptionnelles au cœur de ma création. »
Et j'aimerais bien commencer par les fleurs de Grasse et j'aimerais vraiment commencer par avec vous, quoi, cette aventure. Ok. Bon, il crée des parfums. Et puis il sort sa carte. François Demachy, parfumeur créateur Dior. Oh, j'avais déjà entendu parler de son nom, je savais même pas. Je savais pas qui. Je savais pas que c'était lui, je savais pas qui. Donc c'était, ouais. Là, je me suis dit, oh là là. Waouh! Ah ouais, ça sent fort, hein. Oh. Mais c'est fort, hein, je suis... On a parlé le même langage, donc on était... Je lui parlais des fleurs, je lui parlais des moments de la récolte, je lui parlais d'agriculture bio, je lui parlais de choses que... Enfin, qui fait mon quotidien et qui, en même temps, qui me fait lever le matin, quoi, donc... Et tout de suite, il a compris, parce que c'est un grassois, parce qu'il admire la matière première, il a un profond respect... envers la matière première. Et quand il m'a dit, mais oui, il faut que vous travailliez, mais que vous soyez sécurisé, quoi, que toute votre énergie soit au service de la matière première et de la beauté. Ben voilà. Est-ce que tu as déjà pu percevoir une petite note bubble gum? Ah oui, pas là, mais. Parfois. Il faut que le soleil tape un peu. Ah voilà, c'est ça. Oui, mais l'alcool benzénique et tout ça. Oui, ça, c'est les lactones. Le parfum, c'est un langage que tout le monde comprend, que peu de personnes parlent. Alors, comment je suis devenue productrice? D'abord, c'est une histoire à deux. C'est pas mon histoire à moi toute seule, c'est l'histoire de Rémi Hermel. Et on avait tous les deux envie, à un moment donné, de faire quelque chose ensemble, en lien avec la terre, parce qu'on est tous les deux originaires de familles d'agriculteurs, qu'on a connu ça quand on était petit ou plus jeune, Rémi plus que moi, parce que lui, il a vraiment travaillé dans la ferme de ses grands-parents. Moi, c'était juste des vacances. Et puis on est parti dans cette histoire. Rémi, à ce moment-là, continue à travailler parce qu'évidemment, il fallait bien faire bouillir la marmite et faire vivre notre famille. Et puis moi, j'ai commencé à faire des démarches administratives, à surtout apprendre le métier auprès de Carole, chez qui j'ai passé pas mal de temps, à gratouiller, à attacher, à tailler, à récolter. C'est un projet de longue haleine. Entre le moment où on a commencé à avoir l'idée et le moment où nous-mêmes, on a mis notre premier plant de rosier en terre, il s'est passé vraiment du temps, il s'est passé 4 ans. Always looking for your next climb, the things I want. Don't take time, my money, honey, you'll get it. One of these days, one of these days, love ignites. We're gonna get it and get it right one of these days. If I'm talking sweet to you, you know I'd like to hear it too. It's funny, honey, to think it's a passing phase. But if I feel alone in the morning dew, I start to see new shades of blue. Je continuais à donner la main à Carole de temps en temps, à aller me former chez elle. Et puis un jour, elle me dit, eh ben, tiens, la semaine prochaine, François Demachy vient et ce serait bien que tu sois là aussi parce que je te le présenterai. Je l'ai donc rencontré chez Carole. Bon, je lui ai en 3 mots expliqué ce que c'était que mon projet. Et à l'issue de la discussion avec François, il m'a dit, ben, je viendrai voir, ça m'intéresse, je viendrai voir. Alors, il faut se représenter ce qu'on avait planté à l'époque. On avait planté 700 rosiers qui devaient faire à peu près 20 cm de haut. 700 rosiers, c'est rien du tout, quoi. C'est un jardin, c'est rien pour un producteur. On fait rien avec 700 rosiers. Et François s'est pointé quelques temps plus tard ici. Alors, évidemment, je l'attendais de façon assez fébrilement.
Il devait arriver en début d'après-midi, il est arrivé en fin d'après-midi. En début d'après-midi, on avait des conditions météo à peu près bonnes. Quand il est arrivé, c'était le déluge. On ne voyait même pas l'extrémité du champ tellement la vue était bouchée. Et puis j'avais mon petit carré de rosier posé là au milieu, à lui montrer. Et j'ai pris tout d'un coup la mesure de ce qui était en train de se passer. Je me suis dit, mon Dieu, tu l'as fait venir ici. T'as rien à lui montrer, il fait un temps pourri. Il va même pas se rendre compte du fait que le site est beau. On n'y a encore rien fait, mais le site est quand même beau. Et voilà, donc j'ai... Bon, puis François, c'est quelqu'un de discret, de réservé, donc il m'a pas dit « Ouah, c'est génial, on va bosser ensemble, ça va être merveilleux, quoi ». Il n'a pas dit grand-chose. Et quand il est reparti et que j'ai fermé la porte, j'ai dit à Rémi, bon, bah, c'est bon, je pense qu'on peut planter des oignons et amener 2-3 moutons. Mais pour les roses, c'est mort, quoi. Et c'était pas mort du tout. Parce que quelques temps plus tard, il a rappelé et il m'a dit, bah, votre projet, il m'intéresse et j'aimerais bien qu'on continue à en discuter. Alors, l'origine de la parfumerie, c'est quand même la distillation. Puis toujours, les hommes ont cherché à récupérer ces odeurs sous forme réelle, disons. Donc, on a utilisé la distillation pour récupérer la quintessence de l'odeur. Et dans les années 1920-1930, il y a eu l'extraction. L'extraction, c'est-à-dire on va utiliser cette plante avec un solvant pour en extraire tout ce que l'on peut, à savoir toute sa partie olfactive et même des choses à côté. Voilà. Dans cette partie d'usine, là, à Grasse, nous sommes dans la partie un peu historique, disons. C'est du traditionnel. Nous sommes dans la partie où on veut transmettre aux parfumeurs le savoir que nous avons accumulé depuis des décennies. Voilà. Donc on reste comme on était, on fait la même chose que ce qu'on faisait il y a 50 ans, de façon à ce que les parfumeurs retrouvent l'odeur qu'ils avaient dans la tête et qui n'a pas changé depuis. Voilà. Vous connaissez M. de Machy ? Oui, bien sûr. Il est parfaitement à l'aise dans les parfums, dans les produits, dans les odeurs. Il connaît très bien, c'est un grand soir, hein. Il connaît très bien les matières premières, il sait ce qu'on peut faire avec. J'ai travaillé beaucoup. Pour faire des produits pour lui, des produits tout à fait spéciaux, disons. Et effectivement, il donne une idée, et si effectivement ça lui convient, il va l'utiliser. Voilà. Moi, je suis tombé dedans. Hein. Je suis né dans la région, dans le coin, et tout de suite, j'ai été mis en contact avec l'oranger, le jasmin, la rose, etc. C'est un métier que lorsqu'on y met les pieds dedans, on s'en sort plus. C'est de l'addiction complète qui arrive. Le 1er septembre, j'ai commencé ma 60e année chez Robertet. Ça fait un bail. Je n'étais pas né. Alors, ce que font souvent les parfumeurs, c'est me demander combien représente de pétales de rose le produit qu'ils ont mis dedans. Il faut
700 kilos de rose pour faire un kilo d'absolu. 700 kilos de rose. Dans un kilo de rose, il y en a à peu près 350. Tu as compté le nombre de roses et de pétales, multiplié par 38 le nombre de pétales, vous voyez ce que ça représente en quantité. Voilà. But somehow craft is also synonymous with quality. Do you have a savoir-faire that's passed down through communities over generations? You have a kind of local knowledge where people share and really care about the products, as Armel and Remy really do about their roses. Actually, once she told me that she kind of sees them as her children now, and I wasn't really sure how to react, but I mean, you see how much they really care and they really love those plants and those flowers. And for many people, this kind of story, but then also the reality that they know that there was someone behind the rose trying to create something beautiful, trying to give a pleasurable experience, trying to give you something honest. Well, for a lot of people, that's what quality means today. Ici, on est au milieu du savoir-faire. C'est-à-dire que si je veux développer une qualité particulière ou modifier une qualité, eh bien, je vais dans l'usine, c'est à deux pas, en 10 minutes j'y suis, et puis je peux parler avec les professionnels et sentir les différents essais et même les faire avec eux. Donc ça, c'est quand même un plus indéniable, quoi. I have had the pleasure to go to the Bergamot region of Calabria with him. I've been to the rose fields of Grasse with him. I can tell when he's around the raw materials, he really lights up. He really is like inspired by these things. And I think with perfume, it all comes down to the raw materials at the end of the day, right? So just him touching the soil, talking to the farmers, there's a real connection there that probably elevates him and makes him the hit maker that he is, you know? È il solo patrimonio di famiglia. Il padre dice l'unico mio figlio. Ottengo come l'uovo d'intapaglia. Chi mo tocca sul mio corpo ad appassare. Cocco bello, si navoca camise cocca piello. Cocco bello, te si cresciuta barba e mostacello. Se tirano il capilla bionda bruna, pensando a tutte sorde che tu tieni. Cocco bello, cocco bello, cocco bello. Quando passi a gente fai girare. A figlia non faccia tutte vorrei sposare. Cocco bello di mamma. Casimiro! Ah, uffa! Piantatela! Con l'erra moscia parla il fortunato. Casimiro, Casimiro, il cocchetto di mamma. Voilà, e avec aussi le... toute la partie du zeste que tu vois de dehors. Ça, c'est très bon. Alors, même. Si j'arrive. Ah, good. Et quand on remarque une orange amère, tu vois tout de suite la différence, parce que l'orange amère, la birade, il n'a pas la greffe, et le tronc... C'est bien cylindrique et tout. Cylindrique et tout. Et il a un petit peu des épines. Oui, oui, oui. Qui est la partie sauvage. Ça, c'est que féminin, là. Féminin, oui. Mais c'est toujours la peau, hein, tu vois, le zeste. La bouche. Voilà, regarde les deux zestes, la différence. Ah, ouais, ouais, ouais. Si. On le voit bien. Ça, c'est fantastique. Hein. Ah, voilà, voilà. Fantastique. Ah, et ouais. Castagnard. Castagnard, Castagnard oui. Aussi. Mmh. Oui. Le fantastique. Mais il y a quand même les nervures. Il y a quand même une nervure aussi dans le fantastique. Mais la taille est plus petite. Les piccoles sont toutes, non? Toujours. Toujours. Mmh. Mmh. D'accord. Voilà, mais là, le féminin, voilà, les trois. Le meilleur. Le meilleur, c'est fantastique. C'est...
C'est comme l'assassin qui revient sur les lieux de son crime. C'est toujours important d'être sur les lieux, à la fois pour sentir, mais aussi pour ressentir, parce que c'est une ambiance. Et l'ambiance, ça fait partie du produit, quoi. Et puis quand même, venir en Italie, c'est presque être à la maison. On est tous un petit peu italiens. Je veux dire, la nourriture est excellente, les filles sont belles, tout est bien, tout est dans les couleurs. Basta cazzate. Si è fatto tardi e tempo non hai più. C'è un treno che ti aspetta, ma fai in fretta o partirà senza di te. Basta cazzate. L'amore in fondo è un viaggio fatto a caso. Star bene è una scommessa, pensa un filo, punti si vedrà come che andrà. La ricetta non l'ha avuta mai nessuno, ma c'è un binario, c'è il tuo viaggio, c'è il tuo treno. Parti e poi vedrai se in fondo c'è chi aspetterà. Basta cazzate, l'amore in fondo un viaggio fatto a caso, star bene è una scommessa, penso un filo, punte si vedrà come che andrà. La ricetta non l'ha avuta mai nessuno, ma c'è un binario, c'è il tuo viaggio. Il faudra peut-être les ramasser, on disait avec Jacques. Oui. Parce que si ça se réchauffe, etc., il va y en avoir. On a une vraie quand même. Récolte, ouais. Hein? Ouais, bah ouais. Oui, ce moment de l'année, c'est le cadeau. On a travaillé toute l'année, on les a taillés, on les a bichonnés, on les a désherbés, on les a binés, etc. Et arrive la récolte, et ça, c'est le cadeau. La récompense. Quelle magie. C'est un moment précieux. En plus, bon, évidemment, c'est un métier de la terre pour le luxe. Et c'est un métier au milieu des odeurs et des couleurs. Et ben, c'est plutôt féminin. Enfin, en tout cas, c'est de plus en plus féminin. Ouais. Et comment vous traitez la terre? Avec beaucoup de respect. Enfin, vraiment biologique. Et puis en essayant de retrouver, comme les anciens, en fait, l'observation, le bon sens. Essayer de répondre au tout parcours. Mais là, on dirait pas, hein. Ben oui, je sais. Et pour venir. Oui, pour revenir voir ça. On va prendre fertile. Un petit œil hyper fertile, exactement. C'est le bon terme. Ah, c'est ça? Oui. En fait, un œil, c'est ça. Hein. Donc, il faut c'est prendre là. L'œil. Oui. Il ça, faut le c'est prendre. À partir de là ouais. Que on deviendra grand. Hein. C'est ça, cet œil. Oui, oui. C'est toutes les informations. Génétiques sont là-dedans. D'accord. Et on va y glisser notre petit œil. Hop. Non. Ouais, oui. Pour chaque plant. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, il y a à peu près 20 000 rosiers dans les champs, ici. Et donc, on a fait 20 000 fois ça, plus toutes les autres fois. Mais vous ne faites pas ça chaque année? Non, heureusement, on ne le fait qu'une fois. Ensuite, après, il est centifolia pour toute sa 15 vie. Ans. Exactement. Et un mois après, donc je serai en août, au 15 août à peu près, notre petit œil aura grandi et on aura un nouveau centifolia. Mais le pied, le porte-greffe, donc le pied mère, est résistant. On va affaiblir l'indica major, l'églantier, pour lui donner la sève disponible. Et là, il va croître. Ouais. C'est le docteur. Ouais. C'est grâce à ça qu'on a cette qualité, cette résistance. Ouais. C'est indispensable. Voilà. Donc ça fait beaucoup de manutention. Ouais. Exactement. Waouh. Ouais. Et ça donne ça. Et maintenant, on recommence
un lycée ici, qui n'est pas très à Antibes, on recommence à apprendre ça. Parce qu'il n'y avait plus personne qui savait. Mais là, déjà, je le sais faire. Le savoir le faire et le faire à des milliers de fois à grande échelle et que ça réussisse, il y a quelques années d'expérience. Ah bon? Parce que ça, c'est le problème avec Carole. Parce que ça paraît très simple et tout, mais il faut le faire. Oui. François, c'est Charlie et ses trois drôles de nanes. Il y a la blonde, la châtain clair et la brune. Quand j'ai rencontré François, j'ai pu visiter le laboratoire de création, qui était un des rêves de ma vie. Et puis aussi, le fait de pouvoir faire ce métier-là et qu'ensuite il soit reconnu par quelqu'un. Parce que c'est un travail difficile hein, en agriculture biologique. Moi, j'ai quasiment pas de machine, aucun pesticide, donc tout est fait à la main. Et je vois, quand il vient dans le champ, j'ai l'impression, et j'espère, qu'il a beaucoup de plaisir, en fait, à sentir directement sur l'arbre ou sur les pieds ce qui se trouve dans la terre. Donc, moi, à chaque fois, je suis très heureuse quand il vient, parce que j'ai l'impression que... qu'il est content et que du coup je fais bien mon travail aussi. What is particularly important is where is the food industry invested a lot of money a long time ago to understand what happens to wheat crops or palm oil in different conditions. The fragrance industry never did this and they're only starting now. So the big realization that everyone was shocked about is you can get as good of a yield if not a better yield using bio and organic practices. You can get as much of a smell, actually more of a smell. If you're using organic and bio practices. Pour toi. C'est un boulot d'agriculteur, il n'y a pas à s'y tromper. On travaille au champ, la plupart du temps on est en botte. Les fleurs, c'est très peu dans l'année. La rose, c'est 4 semaines, la tubéreuse, c'est un peu plus, mais c'est, au final, les champs, ils sont plutôt verts, ils ne sont pas fleuris. La fleur, c'est le moment de la fête, mais c'est comme ça, ça passe. Donc c'est un vrai travail d'agriculteur. Et en même temps, on travaille pour une industrie qui, à mon sens, incarne vraiment ce qui fait qu'on est homme. On ne travaille pas pour manger, on travaille pour se parfumer. C'est quand même un truc, ça interroge, quoi. C'est quelque chose de particulier. Et la rencontre de ces deux univers-là, ça, c'est quelque chose auquel je suis vraiment très, très sensible, quoi. C'est les pieds dans la terre et la tête, on ne sait pas où, mais la tête dans les nuages, quoi. En fait, ce que tu préfères dans ton métier, c'est de conduire les tracteurs, non? À l'école, t'imagines, il y a 40 ans, si j'avais dit je veux être agricultrice, je veux être paysan, on aurait dit « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» Alors qu'aujourd'hui, on dit « Ah, c'est bien, mais ça va être dur, il faut connaître la terre, le cycle de la vie, le sol. » On cherche son milieu, et puis quand on l'a trouvé, ben, on est comme un poisson dans l'eau, en quelque sorte, parce qu'on est en lien avec ce qu'il y a sous nos pieds, avec ce qu'il y a au-dessus, avec le temps qui passe, avec le rythme des saisons, avec les choses qu'on fait de façon répétitive, de façon cyclique. Sans doute que ça participe à une espèce d'équilibre vraiment primaire et reptilien. Tu peux m'aider, Jean-Louis ? Oui. Là, il en a combien? 2 kilos. Pour vous donner une idée, les racines d'iris qui sont plantées, elles sont plantées aujourd'hui. On est en 2018, il faut attendre 3 ans que ces racines soient en terre pour qu'on puisse les déterrer et les utiliser. Il faut les laver, il faut les ébarber,
sur 4 tonnes qui sont récoltées dans les champs, il va en rester que 3 tonnes. Quand ces 3 tonnes vont être tranchées et séchées, il va rester 1 tonne d'iris. Mais il faut attendre encore 2 ans et demi pour que ça sèche correctement. Ensuite, on va le traiter, on va le broyer, le distiller, et sur 1 tonne, on va récupérer à peu près 3 kg de beurre ou 300 g d'irona. Alors, c'est-à-dire que vous arrivez avec un camion de 4000 kg de racines fraîches, et 7 ans et demi, 7 ans après, vous repartez avec 300 g d'irona. Voilà, c'est pour ça que les produits sont quand même très, très, très chers. Il faut être passionné, il faut être curieux. Voilà. Un parfumeur, c'est un homme qui est curieux. Laisser partir trois parfumeurs dans la nature, trois personnes dans la nature, s'il y a un parfumeur, c'est toujours le dernier, parce qu'il s'arrête à tout moment pour sentir les produits, pour toucher une plante, etc. Quand on est un créateur, on est extrêmement curieux. Il faut être curieux de tout. De tout et de tous. Vous savez, nous, notre métier, c'est un métier d'interprète, donc on emmagasine des clichés, je veux dire, à l'instant T, enfin, etc. Et après, quand on est devant notre feuille pour créer le parfum, eh bien, ça ressort. Quoi. C'est-à-dire, on a besoin de tout ça. Fait du beau, du savoir-faire, parce que on s'improvise pas expert par hasard. Do they have to create a chef-d'œuvre? I mean, one katana that's to present their work, you know? It's iron smell. Yeah. <laughs> And also, it smells a little bit like blood. Oh! Like blood. Your nose is very high tech, because you're involved in creating perfume. Premier tour des merlots et puis après on va vous ce qu'il y a sous marin parce que avec ce qu'il y a sous marin il faudra qu'on fasse des pendants avec les tombants de cavernes. L'idée de ces dégustations là c'est assez simple, c'est comprendre le parcellaire pour nous en suivant les vins régulièrement, en les goûtant à plein de stades différents. Bah, petit à petit on commence à s'en faire une idée de plus en plus limpide. T'en es après la 19, voilà. Ça j'ai fait, ça j'aimais pas trop. J'aime beaucoup l'aromatique de 17-17. Hein. Ouais. Hein? Ouais. J'aime bien, tu vois. Un peu boisé. Ça peut amener de la puissance, quoi. Ouais, après, elle a un côté. Le végétal, vraiment poivron vert. Ouais. Elle a vraiment le côté un peu pyrazine. C'est le côté agressif. Un peu pyrazine, quoi. Ouais, ouais, IBMP. Ouais.
La première rencontre avec François, ça a été, on a participé ensemble avec Cheval Blanc à un ouvrage où nos deux regards se sont croisés, celui de Cheval Blanc et puis celui de François de Machy, sur les sens, hein, sur l'olfaction, sur l'odorat. Et en fait, bah, rapidement, à la fois, moi, je me suis senti proche de son métier parce que l'olfaction, c'est une partie intégrante de nos décisions quotidiennes. Et donc, il faut, au-delà de l'émotion, qui est quand même 80% de ce qu'on ressent, hein, c'est une émotion quand on sent quelque chose, quand on goûte un vin. Mais la différence entre l'émotion de Monsieur Tout-le-Monde et puis derrière le travail d'un professionnel, c'est qu'il va falloir décortiquer, analyser, expliquer, hiérarchiser, décider à partir d'émotions. Ça peut être un peu impressionnant de débarquer dans une salle de dégustation d'un cru un peu notoire et de commencer à donner son avis sur les jus. François, lui, spontanément, il va dire « Ah tiens, ça j'aime bien, ah ça, oh, c'est un peu végétal. » On sent qu'il y a une expertise sûre. Il y a une des modalités que tu préfères, François ? Celui-là. Le gauche, ouais. Ouais, pareil. L'autre, il est un peu alcoolisé encore, pour moi. Pour se souvenir d'une odeur précise, c'est de se souvenir aussi et de fixer tout ce qu'il y a autour de l'odeur, c'est-à-dire le moment où on l'a senti, ce qui se passait à côté, les gens qu'il y avait autour de nous, ou la lumière qui est importante, les sons, etc. Ah ben, moi, l'odeur du jasmin, c'est ma grand-mère, définitivement. J'étais tout le temps au champ avec elle et ma grand-mère mettait des fleurs de jasmin dans son corset. Donc ma grand-mère a senti le jasmin tout le temps. Et quand je sens le jasmin, il y a quelque chose de magique dans l'air. Elle est encore un petit peu avec moi, ouais. Quand j'ai travaillé un peu mon éducation olfactive dans ma premier job, donc les parfumeurs me font sentir beaucoup de matières premières, etc. Ils me disent « Tiens, tu te débrouilles pas mal, machin, etc. » Bon, et puis il me faut sentir un parfum, et là, truc. J'ai dit, mais ça, c'est le parfum de ma vie. J'ai jamais senti un truc comme ça. C'est juste magique, j'adore ce truc. Donc je rentre chez moi, et je dis à maman, écoute, ce truc, tu le connais pas, c'est un vieux parfum. T'as jamais entendu parler, ma mère portait du Ricimo, donc hors de question que je la connaisse avec autre chose. Et je lui dis, voilà, elle me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui apporte la touche, et elle me dit, oh, je connais, c'est Jolie Madame. J'ai dit, comment tu connais? Ah ben c'est le parfum que je portais quand je t'attendais. J'ai l'impression que les odeurs qui m'ont le plus marquée, c'est des odeurs terribles qui me rattachent à des souvenirs mauvais. Alors je dirais la plus violente et la plus pénible pour moi, c'est l'odeur des sanitaires de l'école maternelle dans laquelle j'étais, que j'ai l'occasion de ressentir parfois quand on va dans un lieu public, un hôpital. À l'instant, j'ai 3 ans et je suis malheureuse comme une pierre. C'est terrible. Et je vois le pantalon vert de ma maîtresse. Voilà. C'est affreux. Quand on est confronté au souvenir, à la réalité d'une odeur qu'on n'a pas sentie depuis 30 ans, c'est immédiatement, on est replongé 30 ans en arrière, mais de manière comme un instantané, quoi. De manière très précise, très précise. And for the teeth, something. Yes, for the teeth, we're just chewing it. Yeah. Just chew the mustard. Yeah, not make it. Mais il faut sentir c'est l'intérieur. Il associe des images, des situations avec des parfums. Et en fait, il fait une photothèque associée aux odeurs qui sont donc disponibles dans son cerveau pour coller une image à une odeur. Et gingembre, c'est une essence que vous pouvez utiliser en parfumerie ? Non, on utilise, oui. On a deux produits principaux, l'essence, c'est-à-dire c'est ça distillé, et puis une extraction CO2 qui donne réellement l'odeur du gingembre frais comme ça. Du coup, quand par exemple on lui dit un parfum qui inspire le voyage,
Eh ben, il fait appel à toute sa photothèque voyage, associée à des odeurs, et il a comme ça une bibliothèque de 2000 matières premières, ou je ne sais combien. C'est inimaginable. Ça, c'est topissime, ça. Je vous assure. Une des choses les plus difficiles en parfum, c'est de dire quand est-ce que le parfum est arrêté, quand est-ce qu'il est fini, quand est-ce que le morceau de musique est parfaitement interprété, joué, ou voilà, c'est fini, on arrête, c'est bien. On enregistre. Non. Et je comprends très bien François qui se dit, voilà, j'ai... Non, mais voilà, et on refait. Et on recommence, et on réajuste. Et chaque fois, tu veux pas te dire je rajoute, tu sursautes, comme si t'avais une salade et tu mettais une jolie capucine dessus, tu vois. C'est pas ça. Tout le Mikado bouge, toute la formule bouge. Chaque fois que tu bouges un bout de bâton, tout le Mikado de sa formule bouge. C'est endless. Et c'est un peu obsessionnel. Hein. On est tous sensibles aux odeurs. Parce que c'est un rattachement culturel. C'est une identité. Ça va même plus loin. C'est ce qui nous constitue. Donc l'humain, c'est fondamental. En tout cas, pour le parfum, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a de plus humain qu'une odeur ? Flying over Chicago, bare trees line the white snow. Il nous manque notre bout en train aujourd'hui, hein. Flash across the night in red and gold. Sans la fin. What a view from my small. C'est triste. Ça ne dure pas très longtemps, la fleur d'oranger. Donc, dès qu'on voit qu'il n'y a plus trop de boutons, on sait que dans quelques jours, c'est terminé. Il faudra attendre l'année prochaine à nouveau. Un sacré culot de miser sur nous parce que c'était pas notre métier. Vraiment, on débutait.
Et il a quand même été d'accord pour marcher dans la combine, quoi. Et alors ça, vraiment, je trouve que c'est évidemment chouette qu'une maison, puisqu'il incarne une maison, lui, qu'une maison comme celle-là fasse ce pari-là. Voilà, pari sur des gens comme nous, quoi. Crystal water in a blue dream, stretching further than I can see. La relation avec les gens, c'est en fait le thème du parfum. Il y a toujours ce phénomène humain. Le parfum, c'est par définition, à mon sens, une aventure humaine. Sexuels, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui joue. Nous, on est des mammifères, donc on n'est pas loin du sexe. Hein. Et puis ça nous fait rêver, alors non, c'est comme ça. Just money, we wait across while the river flows. Warning volcano erupt 19 million years before. Where'd you go, Grego? Grego, where'd you go? Aussi de la vocation tombinée, c'est peut-être ça aussi.